l'idée. J'ai pour l'idée, après le poste, Satan a fait un pacte avec lui pour lui dire, bon, comme l'autre, il avait trouvé c'était difficile, toi, ce que tu vas faire, ce que tu vas faire, tu vas réunir les corps religieux. Tu vas prendre toutes les religions du monde, tu les mets ensemble. Vous allez vous dire, ah, on s'entend maintenant, hein, c'est l'écuménisme. Mais or, ça serait un moyen pour que moi j'entre partout. Vous voyez? Ça, c'est Jean-Paul II. C'était la mission de Jean-Paul II. De venir pour ensemble tout. Il appelle les musulmans, il appelle les juifs, il appelle les protestants, il appelle tout le monde pour réunir ensemble. Il dit, nous tous nous sommes, nous servons un seul Dieu. Si on se met en accord, ça serait bien. Oh, que c'était l'écuménisme. Ça, c'était la mission que Satan lui a donnée pour faire. Lui, il a fait sa mission comme c'était prévu. C'est pour cela qu'il a resté longtemps. Bienvenue dans le Seigneur. Mais nous allons regarder ça ensemble maintenant. Cette histoire. Dans Marc 12, 27, la Bible dit, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Mais Dieu n'a pas besoin des morts pour transmettre un message à un homme. Si nous regardons dans les livres, toujours dans la Bible, Lazare, quand l'homme riche avait demandé à Abraham, mon père Abraham, tu peux envoyer Lazare sur la terre pour dire à mes cinq frères que ici, là où je suis, je souffre en enfer. Mais envoie Lazare afin de dire à mes frères de se repentir. Parce que sinon, eux aussi, ils viendront vers moi. Abraham lui a dit, mais c'est ton frère, lui, il est sur la terre. Nous, ici, nous n'avons plus le droit de retourner là-bas. Là-bas, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a pasteur Mbou là-bas, il y a l'évangéliste Moïse. Mais si vous ne les attendez pas, vous viendrez ici. Parce que il n'y a pas un mort qui vient pour dire que non, moi j'étais mort, maintenant je suis ressuscité. Ah, là-bas c'est chaud. Non, personne ne viendra. Si on n'écoute pas ce que Dieu a mis sur la terre, afin de parler de la bonne parole pour que les gens changent de comportement et retournent vers le Seigneur, si ce n'est pas le cas, personne ne verra la gloire de Dieu. On se retrouvera en enfer. Pas un mort qui descendra sur la terre pour venir apporter la bonne nouvelle pour que les gens se répandent. Bien aimé dans le Seigneur, mais Dieu, dans la Bible, dans 1 Corinthiens 11, 4, la Bible nous parle des cultes de mort, de la façon où nous, un serviteur de Dieu, quand il est devant, il ne peut pas couvrir la tête. Ça, c'est Dieu qui avait ordonné ça. Une femme, si elle couvre la tête ou si elle laisse ouverte, ça, c'est pour l'honneur de son mari. Mais l'homme, il ne peut pas raser la tête. Ça, c'est pour l'honneur de Dieu. Et l'homme qui se met devant pour parler de la part du Seigneur, il ne peut pas mettre un chapeau pour protéger sa tête. C'est marqué dans la Bible. Mais si l'on regarde nos frères, Satan les a tous changés. Satan dit non, pour célébrer, mets la casquette. Il met le casque sur la tête. Donc, ça, c'est les rébellions. Mais tout ça, c'est dans la Bible, c'est écrit. Mais voilà pourquoi le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'elle-même ne veut pas comprendre. Dieu, il a tout écrit dans la Bible. La Bible est là.
C'est la parole de Dieu. Mais si on ne fait pas attention, on tombe à côté. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous regardons le dignitaire catholique, c'est couvre la tête pendant la prière, qui est contraire à 1 Corinthiens 11:4. Mais le culte de mort étant interdit par Dieu, on ne peut jamais pratiquer le culte de mort. Dieu l'avait interdit. Et en le pratiquant, on tombe directement sans contester à la rébellion. Parce que tu es contre le Seigneur. Parce que ce que Dieu a interdit, toi, si tu le pratiques, tu y as la rébellion. Le messe de Requiem, est-ce que, en aucun cas, ça peut sauver une âme? Jamais le messe de Requiem va changer le destin de celui qui est mort, qui allait en enfer pour aller au paradis. Jamais. Tu es mort, c'est fini, terminé, pour toi, ça s'arrête là. Tu attends seulement le jugement. Bien-aimé, ces révélations peuvent étonner. Comme a étonné l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse 17:6. Beaucoup croient que l'Église universelle peut sauver les âmes alors qu'elle se trouve sous le jugement de Dieu. Parce que toi, tu as les chapelets, tu pries avec les chapelets, tu pries le statut de Marie, tu crois que tu pries le Seigneur. Oh, que tu adores Marie! Marie n'est pas Dieu, c'est une personne comme toi et moi. Mais seulement parce qu'elle avait reçu une grâce de Dieu pour apporter Dieu qui allait descendre sur la tête. C'est seulement la grâce qu'elle avait reçue. Mais on adore Marie. On n'a pas des statues. Mais pour quelle raison? C'est, il se rebelle contre Dieu. C'est pourquoi il est grand temps de sortir du milieu d'elle et de courir à la recherche du salut. Ce qu'il dit dans le livre de 2 Corinthiens 6, de 17 à 18. Il faut courir à la recherche du salut. Nous avons lu ça ensemble. À la lumière de la révélation de ce chapitre de la prostituée, comme je dis, la grande Babylone, c'est une ville qui exerce son contrôle et son pouvoir sur les rois de la terre. Étant assise sur les grands eaux, nous avons créé, peut-être ça serait une grande ville, or et non, c'était seulement cette petite ville, minime par sa superficie, mais étant sa domination sur tout le peuple. Parce que en Italie, Vatican, c'est une grande puissance. Qu'on voit cette petite ville de Vatican. Ce pape, il est comme le président d'Italie, même s'il y a un autre président. Donc, c'est une ville parmi les villes. Cette petite ville de Vatican. Quel que soit le peuple ou la nation, Vatican a poussé ses racines. Tous ces peuples et ces nations sont que les grandes eaux que la Bible nous parle, dans les peuples de Vatican.